Bah complètement. Ah bah on va le dire alors. Bah disons-le. Caroline, tu es mannequin, comédienne, animatrice télé, blogueuse de mode, fondatrice de la marque Wondersea. Est-ce que je le dis bien? Oui. Très bien. On te retrouve aujourd'hui comme styliste, créatrice, en collaboration avec la marque APM Monaco. Raconte-nous justement quel était ton rôle pour cette collection capsule. Et ben mon rôle c'était de m'associer au savoir-faire de Kika et de APM et de créer une collaboration, enfin de créer une collection pardon, qui sont un petit peu différentes de ce qu'on a déjà vu chez APM, d'où le jean en fait qu'on a associé aux bijoux. Et voilà, l'idée c'est de représenter la marque tout au long de l'année et puis d'y apposer un petit peu ma signature au travers de cette collection. Voilà. Donc c'est quand même osé d'intégrer du jean dans une collection de bijoux. Qui a eu cette idée? C'est toi, j'imagine? Oui, enfin j'avais envie d'intégrer quelque chose de différent. Le jean, c'est une matière que j'adore, qui est top pour le printemps, pour l'été, pour les beaux jours. Et voilà, et Kika a été séduite aussi par l'idée, donc on a essayé de travailler, de voir ce que ça pouvait donner. Et puis, voilà, c'est rendu qu'on a réussi à en faire. Bah, félicitations en tout cas. T'as un double rôle dans cette collaboration. T'es en même temps égérie, en même temps styliste, designer. Tu fais un peu tout. Comment ça doit pas être? Ça doit être compliqué quand même au niveau de ton planning de pouvoir être aussi présent sur tous les secteurs d'activité de la marque. Ouais, et bah après, moi je me suis aussi beaucoup appuyée sur le savoir-faire des équipes APM. Ouais. Je me prétends pas styliste ou créatrice, j'ai juste apporté mes idées et mes envies du moment. Voilà, après la collection c'était vraiment pour appuyer mon rôle d'égérie à l'année, parce qu'au moins on allait au fond des choses et puis il y avait vraiment ma touche qu'on apportait à la marque au travers de cette collection. Donc après c'est beaucoup de travail, c'est des shootings réguliers parce que APM sort une collection tous les mois différente. Donc voilà, faut être opérationnel quoi, j'ai envie de dire. Toi dans la vie, t'as pas peur de prendre des risques? C'est un peu ce qui te motive, c'est-à-dire que si tu vas, tu fonces et tu vois ce que ça donne. C'est un peu réfléchi quand même. C'est un peu réfléchi? Non, oui, je fonce. Un peu quand même. Non, je fonce sur des projets qui me parlent. Après, peut-être que ça parlera pas à d'autres personnes, mais tant que moi ça me parle et tant que ça me plaît, j'y vais. Et après, je reste toujours fidèle à mes valeurs, mes principes, mes idées. Donc voilà, et comme je dis toujours, quand tu fais les choix avec le cœur, tu te plantes rarement. Donc c'est ce que j'essaie de faire. Si j'avais une devise. Tu peux la donner en anglais aussi, je sais pas que. Une devise, c'est, non. On dit toujours avec mes copines hashtag karma. Tu vois que je me suis fait tatouer là, ce petit éclair du karma. Il est nouveau celui-là? Oui, il est nouveau, ouais. Il date de quand? Et bah, il date d'après Dallas. Il y a quelques mois, il y a quelques mois. Hashtag karma, pourquoi? Parce que j'ai envie de dire, quand tu fais du bien, tu reçois du bien, quand tu fais de la merde, tu reçois de la merde. Voilà. Donc, je sais pas si c'est une devise, mais en tout cas, je trouve que c'est. Voilà, ça rejoint un peu le quand tu fais les choses avec le cœur, bah voilà, ça se passe bien et t'es rarement déçu, c'est un peu ça. Donc pour le moment, tout ce que tu te donnes, le retour est extrêmement positif. Alors il n'y a pas que du positif, faut pas se leurrer, mais en tout cas, même s'il y a du négatif, ça m'affecte pas tant que ça, parce que moi en tout cas j'ai fait les choses comme je les entendais et plutôt avec de bonnes intentions. Donc, voilà. D'accord. Elle est devenue hindoue. Elle est devenue bouddhiste. C'est ça, ouais. Un petit mot sur cette nouvelle série que tu viens de lancer sur YouTube, Cut But Psycho.
très lifestyle, tendance. C'est quoi en fait l'idée? Est-ce qu'on peut en parler une minute ou... Ouais, bien sûr. L'idée de cette série, c'est quoi? Bah, déjà, à la base, c'est de partager un petit peu les coulisses de ma vie avec mon audience, parce que c'est vrai qu'on voit sur Instagram, je suis hyper figée, sur mon blog, j'écris, il n'y a pas vraiment de... Ou le vrai Caroline, il est sur Snapchat, mais c'est condensé, c'est, voilà, c'est 10 secondes. Et l'idée, voilà, c'était de s'ouvrir un peu plus, donc c'est un projet que je mûris depuis plusieurs mois et je trouvais que c'était intéressant d'y intégrer en fait bah, les personnes qui font partie de ma vie, à savoir mes meilleures copines, dont certaines avec qui je travaille, voilà. Salut. Et parce que voilà, vraiment elles font partie de ma vie et puis j'avais envie de les intégrer au projet parce que j'avais envie aussi que mon audience se retrouve un petit peu dans chacune d'entre elles et partage un peu nos aventures au quotidien. Et que chacune puisse s'identifier à chaque femme qu'elle représente, puisqu'on est toutes différentes, toutes liées par la même chose, mais toutes différentes en même temps. Voilà, et puis c'était pour donner un petit vent un peu de fraîcheur dans ce monde qui est un peu surfait et parfois un peu trash. Et là, l'idée, c'était d'être 100% nature et que d'autres filles du même style que nous, en tout cas, groupe de copines, se retrouvent et partagent ça avec nous. Eh ben, en tout cas, bravo, moi j'applaudis, parce que vraiment, je suis fan de la série, sans blaguer. Je trouve que vous êtes là toutes hyper fraîches, pétillantes, vous êtes dynamiques, il y a un vrai truc qui s'installe, il y a une vraie histoire. C'est vraiment ce qu'on vit, c'est pas scripté, c'est... Ben, c'est canon, c'est ça, justement, voilà. C'est vraiment parce qu'il y a pas de... C'est du 100% nature. C'est 100% nature. Et ça, je pense que peu de personnes osent le faire. Et du coup, c'est vraiment bien. On a vu les images, on en a un peu honte, mais après, on y va, tu vois. Je me dis, genre, on est sûr, on passe ça ou pas? Ouais, c'est ça, on enlève ou pas? Non, là, quand même. C'est justement, ça va super. Est-ce que tu peux éventuellement passer un petit bonjour à tous les lecteurs et lectrices de Crush Magazine qui t'aiment et qui peut-être auraient envie d'un petit coucou de Caroline Receveur? Ouais, et ben gros bisous à tous les lecteurs de Crush Magazine et lectrices. Et merci de me suivre, merci d'avoir pensé à moi aujourd'hui, d'être venu me rendre visite. Dans la boutique APM et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.